Je sais pas quoi faire. Alors là, il faut que je cache ça. C'est pas joli. Donc je vais y mettre. Je pourrais y mettre de la toile de jute, remarque. Sur toute la longueur. Il y a 30 cm, mais pour 60 cm, voilà ma grande règle. Ciseaux. Au lieu de t'épancher sur la table, toi, viens t'épancher là. Où c'est que je les ai mis, mais voilà. Je vais mettre un bouchon sur mes doigts. Une capote sur mes doigts avant de me brûler. D'abord, il est à l'envers ce doigt. Voilà. Comme ça, on voit pas le défaut du perçage. Et je vais faire pareil de ce côté, vous allez mieux voir. Hop. Alors ça, je le plie en deux déjà. Je viens le coller là. Il faut le temps que ça sèche, ça refroidisse. Hein.
bien incrusté là où il y a la fermeture. Donc on enlèvera toutes ces coulures. J'ai pas mis de scotch au milieu et total, on voit que ça gondole. Mais comme il y aura toujours du papier par-dessus, c'est pas gênant. Je vais la mettre à l'envers pour faire tomber toutes les bourre de colle. Voilà. Et je pourrais mettre mes papiers dedans. Et ben là, voilà, fini. Alors, par rapport à ça, je voulais la décorer. Alors, pour la décorer, ça coince, voilà. Alors dans ces catalogues, j'ai plein de petites choses. La bande s'est coupée. Oh, c'est la merde ce truc. Ici, je vais mettre celui-là.
je vais récupérer la page où il y a les découpes. Il n'y a pas grand chose à récupérer là. Ah ben là, il y en a davantage. Voilà, déjà, hop. Pour les décoller, c'est un peu la dégraire. Et là, j'ai tout enlevé. Non, il reste un peu. Hop. Comme ça, j'y reviendrai pas. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre? Mais je peux pas en mettre deux pareilles. Il n'y en a qu'une. Mais ça serait pas mal, ça, comme ça. Ça me cacherait les défauts qu'il y a là. Oh, j'ai pas rangé mes outils qui étaient là. Pas les outils, les poignées. Je suis en... Oui. Je crois que j'avais arrêté la vidéo. Je vais enlever tout ce qu'il y a dessus. Si je ne m'en sers pas maintenant, je m'en servirai à un autre moment. Et puis jeter ce truc là qui m'enquiquine. Voilà, hop, poubelle. Alors, je vais en mettre une ici, mais je vais peut-être mettre celle-là qui est jolie. Puis elle se découpe très bien. Sur les côtés, je pourrais y mettre un truc comme ça. Alors, elle est large.
c'est pas ce qui est écrit là, de toute façon. Si quelqu'un veut s'amuser à décortiquer, à traduire, ça lui passera un moment. Voilà, j'ai dit que là-bas, au bout, je mettais, je sais plus quoi, family. Petit tag là. Et là, de ce côté, là, il y a marqué homme. Je pense que ça veut dire maison homme. Voilà, le papier, c'est papier catastrophe. Enfin bon, comme il est lisse, je préférais mettre du papier lisse que du papier mat. Voilà. Là-dessus, ici. Je vais écrire, je vais marquer love, si j'arrive à détacher. Ah, mais je détache tout d'un seul coup. Je croyais que c'était les lettres qui se détachaient une après l'autre. Mais non, il est en une seule pièce. Alors, c'est très bien. On va marquer love. On ne le voit pas bien, love. Si. Alors, je vais le mettre à l'endroit. Comme ça. Love. Voilà, comme ça on voit pas la rajouture, ça la cache un peu. Alors je voulais mettre des choses là-dessus, mais là je vais y mettre un cœur sur un côté. J'ai un joli cœur là. Et sur l'autre côté, je vais mettre l'autre cœur. Bon, il veut pas. Si. Un cœur comme ça. Un cœur comme ça. Et ben la voilà finie.
j'ai plus qu'à la remplir. Mais on... Ah oui, il faut que je nettoie ça. Mais je suis bien contente. Elle se remplira mieux que l'autre que j'ai là, hein, que j'avais faite et qui était trop petite. Ça va bien pour les petits sujets, mais dès que ça devient gros, et bien quand c'est des grandes pages, ça va plus. Alors voilà l'autre, comment elle était faite. Elle était plus petite. Voilà. Mais elle était vraiment plus petite. Je ne pouvais pas mettre de feuilles 30-30 dedans. Parce que elle, une fois que les feuilles y étaient, ben on ne pouvait plus les sortir. Voilà. Elle fait juste 30-30. Donc ça devenait problématique. Voilà, je pourrais y mettre quand je fais des petits travaux. Voilà, bon, ben, ma vidéo est terminée. Maintenant, je vais ranger tout ça, tout mon bazar. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite, si ça vous plaît, d'en faire une. J'espère que vous en ferez beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on fait un album, on a besoin d'avoir à côté de soi toutes nos feuilles. Et quand il faut ranger, on ne sait pas où on les met. Voilà. Donc, ma boîte est terminée. Maintenant, à vous. Au revoir.